Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, comme vous le savez tous, les trains viennent de sortir sur Us. Et moi, en tant que mapmaker, bah, je fais des petits tests, voir si c'est possible ou pas de faire un chemin de fer, non pas en dessous de la terre, comme Facepunch l'a fait. Moi, je veux essayer de faire un chemin de fer au-dessus de la terre. Qu'on puisse aussi avoir un accès en dessous de la terre en même temps. Alors, j'ai déjà testé avant de faire cette vidéo. Et donc, il est temps que, en fait, les trains n'arrivent pas à rejoindre ce chemin de fer, comme vous le voyez là. Le train, il fonctionne très bien dans ce chemin de fer. Par contre, si je veux le faire rejoindre comme je l'ai fait ici, j'ai des bugs d'affichage. Alors, affiche-moi s'il te plaît. Voilà. Ici, on est dans le chemin en dessous de la terre. C'est censé être le chemin en dessous de la terre. Voilà. Et donc, les petits circuits qui sont là-bas, ceux-là, en fait, dès qu'on arrive ici avec le train ne passera pas. Voilà. J'ai déjà testé. Je peux vous le montrer. Si je prends mon petit train qui est là, je mets du carburant. Hop. Et je monte dedans et j'accélère. Mais en fait, dès qu'on arrive ici, bah le train ça s'arrête. Alors, du coup, par contre, j'ai pas encore essayé dans l'autre sens. Du coup, on va le faire tout de suite. J'ai également testé avec le train qui est juste à côté là. Voir si c'était possible qu'il sorte du chemin de fer. Ah, il sort pas, il s'arrête. Donc voilà. Donc maintenant on va tester avec celui-là. Voir si celui-là va jusqu'à là-bas. Si on peut faire au moins un chemin en dessous de la terre via les anciens tunnels qui existaient déjà dans Rust Edit. Donc c'est à essayer. Et ici j'ai fait exprès de faire un croisement de pistes pour voir si c'est possible d'aller sur les deux chemins de fer. D'aller là ou là. Voilà, donc je vais tester avec ce petit train que j'ai mis ici. J'ai mis à l'envers, mais bon, on va faire le test à l'envers. Du coup, on va le mettre déjà dans un premier temps doucement. Et je ne peux pas quitter le train sinon il s'arrête. Donc on va voir dans quel chemin. Voilà, il va aller là. Ok, sur la droite. Donc on va voir du coup s'il passe dans le tunnel ou pas. Et avant de le faire sortir, je vais l'arrêter. Parce que j'ai pas envie, si au cas où s'il sort, j'ai pas envie qu'il sort. Ah bah voilà, il passe même pas. Il y va même pas. Donc c'est sympa, au moins j'ai ma réponse. Il y va pas. Donc s'il aurait été, j'aurais arrêté avant qu'il sorte du tunnel au cas où s'il sortait. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va essayer d'aller dans la piste de droite maintenant. Enfin, de droite en allant vers l'avant, mais sinon la gauche si on regarde dans l'autre sens. Est-ce que possible ou pas? Non. On est parti dans la même. Donc il a pas voulu la prendre. On va réessayer, mais je pense que c'est pas possible. Ah, là on est bien droit. On repart. On va essayer à nouveau. Est-ce que va-t-il y aller ou pas? Non, il veut pas y aller. Et en plus il tape. Donc on n'arrivera pas à faire un chemin de fer dans les deux sens. On pourra faire un chemin de fer uniquement au-dessus de la terre avec les trains. On arrivera. Donc, mais on n'arrivera pas à faire des tunnels. À moins qu'on passe avec ces chemins de fer, on fasse un tunnel. Va falloir qu'on fasse des tunnels nous-mêmes. Ou alors, j'ai réessayé avec un autre truc. C'est de garder ces petits tunnels, de l'abaisser un petit peu et de remettre un chemin de fer comme ça par-dessus celui-ci. Voir si oui ou non le train passe. Parce que moi. Je sais pas pourquoi il s'arrête. Est-ce qu'il y aurait moyen qu'il s'arrête juste à cause de cette terre?
Ce qui se peut que ce soit la terre. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'abaisser ça vers le bas. Je vais essayer de repasser avec un autre chemin de fer au-dessus. Et si je le fais pas en vidéo, je vous mettrai au moins dans les commentaires en disant oui, c'est possible ou non, ce n'est pas possible. Et du coup, ici dans les autres tunnels, je vais essayer la même façon de repasser avec des trucs comme ça, des chemins de fer comme ça, à l'intérieur du tunnel. Voir si oui ou non est possible de le faire rejoindre. Après, je pense pas que ce soit possible de le rejoindre parce qu'il doit y avoir un petit décalage quand même ici. Ça, je sais pas si c'est le cas. Mais bon, ce que je vais essayer de faire, c'est que déjà avec les anciennes, essayer de les mettre par-dessus cela. Même si je dois mettre un sol ou quoi pour cacher les anciennes. Pour pas que ça fasse moche. Et j'essayerai comme ça. Et du coup, ça c'est une map test, hein, c'est pour tester les trains. Et du coup, les trains bah, qui sont là. Oula, en plus il y a de l'herbe, je sais pas si ça passe. Ouais, ça passe pas parce que on n'a pas fait correctement les topologies. Mais logiquement, moi je meurs pas. Un joueur lambda serait mort là-dedans. En plus, c'est pas bien fait quoi. C'est pas bien fait. Après, j'ai fait ça à l'arrache. Et normalement, si on descend vraiment tout en bas, bah il y a l'autre chemin, il n'y a même pas les ascenseurs en plus. Là, du coup, c'est à moi de les mettre. Ils me tirent pas dessus. Merci. Comme ça fera pas de boucan. Ah, ici, par contre, il y a l'ascenseur alors que je l'ai pas mis. Et marche-t-il? Ouais, en plus, ils vont à une vitesse. Ah, ici, ils me tirent dessus. Et du coup, bah, ça c'est les trains de base. Bah, celui-là, il fonctionnera. Hein. Je peux vous le montrer, hein, mais bon, et après, il n'y a pas besoin hein, de faire un tuto ou quoi. C'est facile à conduire. Vous avez juste trois vitesses en avant. Vous appuyez sur Z, ça fait une vitesse. Z encore, ça fait une deuxième vitesse. Et puis la troisième. Et en arrière, bah, c'est pareil. Hein. Vous appuyez une fois, deux fois, trois fois, et puis voilà. Sur le S pour reculer. Et après pour tourner, c'est sur Q et D. Et voilà, ça tourne. Et si on tourne ici, tout droit, bah ça fait rien. Et du coup, bah ici c'est le chemin de fer celui-là. Celui-là, c'est celui qui est au-dessus. Donc voilà, c'est buggé. Ça fait une autre carte carrément. Sinon, c'est juste ce circuit-là et plus ce circuit-là. Et si on sort du train, bah il s'arrête. Voilà. Il s'arrête pas directement, mais il s'arrête. Voilà. Du coup, c'était une petite vidéo pour vous montrer s'il était possible ou pas de faire un train bah, dans la terre ferme, quoi. Donc, c'est possible, mais par contre, c'est pas possible de passer dans les tunnels. Donc, je vais refaire un circuit qui passe à l'intérieur des tunnels, voir si oui ou non est-il possible de faire bah, un beau circuit en passant par ces fameux tunnels. Du coup, je vous dirai dans les commentaires si je refais pas une vidéo derrière, parce que je pense que ça sert à rien de refaire une vidéo. Donc, je vous dirai dans les commentaires si oui ou non est-il possible de le faire ou pas. Voilà, je vous dis à plus tard.